Donc, Étienne, il est 10h30. J'imagine que les gens vont continuer à entrer. Est-ce qu'on est prêt à commencer? Nous allons commencer. On va respecter les gens qui sont à l'heure. Donc, on va commencer notre petite présentation pour vous. Donc, je répète pour les gens qui viennent de rentrer, si vous avez accès ou non à Moodle dans votre organisation, à partir de la diapo numéro 4 et 5, vous pouvez aller inscrire les informations concernant votre nom, votre organisation, si vous avez accès à Moodle ou non. Étienne, ensuite, ah oui, ben on peut continuer avec les diapos à partir de la diapo 6. Donc, on va vous expliquer un petit peu, oui, ai-je accès à Moodle dans mon organisation scolaire, oui ou non? Bien oui, bienvenue dans notre atelier, mais sinon, vous êtes sans doute des explorateurs cherchant à travers l'océan. Donc, on va vous parler un peu de Moodle, on va vous expliquer des choses au niveau des conseillers pédagogiques, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça pour le bénéfice de vos enseignants. Marie-Claire, je me permets un petit mot Oui. là-dessus. Quand on dit que vous êtes des explorateurs qui cherchent à traverser l'océan, Moodle, ce n'est pas tous les centres de services scolaires qui l'ont. Et il y a des centres de services scolaires qui ont fait le choix de ne pas avoir Moodle. Et on va essayer de vous convaincre que c'est assez pertinent pour que vous fassiez des démarches pour convaincre vos services informatiques d'installer Moodle si vous ne l'avez pas. Mais ça peut arriver que vous n'ayez pas accès si vos services informatiques ne l'ont pas. Donc, c'est une limite qu'on veut mettre claire tout de suite. Ceux qui ont accès à Moodle présentement, vous avez tous les outils nécessaires pour fonctionner avec ce qu'on va vous présenter. Mais les autres, vous pouvez avoir des entraves là, si vous ne l'avez pas directement dans votre centre de service scolaire. Merci, Étienne. Alors, on poursuit avec la diapositive suivante. Je vous présente un petit peu l'équipe. Aujourd'hui, on est divisé en deux groupes parce qu'on a deux ateliers en même temps. L'atelier que vous regardez présentement, c'est l'atelier sur Moodle. Et Nathalie et Dominique, eux, travaillent dans l'atelier sur Teams. Ici, les présentateurs aujourd'hui, ce sera Étienne Roy, Yvon Kemener. J'ai toujours de la misère avec ton nom, hein, Yvon. Étienne, Yvon et Marie-Claire. Puis Gustavo, ben lui, c'est l'analyste ingénieur informatique qui supporte l'ensemble du développement du Moodle avec le Récifab. Vous pouvez toujours nous rejoindre sur récifab.ca, c'est-à-dire le site web qui est disponible pour vous, et ainsi que sur Twitter à @Récifab. Notre intention pour cet atelier-là, c'est vous partager les stratégies, pratiques gagnantes et fonctionnalités de Moodle qui vous aideront à optimiser votre pratique auprès du personnel enseignant de votre organisation. Donc, ce n'est pas une formation directement sur l'utilisation de Moodle, mais bien sur que pouvez-vous faire avec Moodle pour pouvoir former et accompagner vos enseignants. Je passe maintenant la parole à Étienne pour entrer directement dans le vif du sujet. Moi, j'aime toujours savoir auprès des gens qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'au bout de l'heure et demie, à midi, vous repartiez avec le sentiment de ne pas avoir perdu votre temps. Et c'est un atelier, c'est un événement où on peut changer d'atelier comme on veut. Donc, pour qu'on puisse vous garder jusqu'à midi, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que ça soit assez intéressant pour vous et que ça soit pertinent pour vous? Donc, je vous inviterai à aller dans la présentation et peut-être à prendre la parole à nous dire. Pour que je reste avec vous là, puis que j'ai le sentiment de ne pas avoir perdu mon temps, qu'est-ce que vous devez me montrer? Comment vous devez me faire avancer? Qu'est-ce qu'on doit faire nous autres pour que vous soyez heureux? Ceux qui veulent prendre la parole, vous êtes les bienvenus. Et vous allez dans le document, la diapositive qui est affichée à l'écran, et vous pourrez nous écrire ce que vous souhaitez que nous fassions pour vous rendre heureux. On a aussi une deuxième diapositive, là, la diapositive 11, si vous manquez de place dans la 10. Donc, je vous ai remis aussi l'adresse du document dans le clavardage. Donc, si vous avez besoin de vous rendre dans le document parce que vous venez juste d'arriver, l'adresse est dans le clavardage et vous pourrez revenir nous trouver dans la diapo 10 et 11 pour nous indiquer vos besoins pour l'atelier d'aujourd'hui. J'avoue que c'est toujours insécurisant quand on demande cette question-là à un groupe. Mais là, en voyant vos réponses, on est dans la bonne voie. Je pense qu'on va répondre à vos besoins. Parce qu'on voit que connaître les gains d'utiliser Moodle, explorer les aspects de conception,
Donc, comment aider mon équipe d'enseignants en tant que CP? Des exemples concrets d'utilisation lors de l'accompagnement. Les gens sont en réflexion sur l'utilisation de Moodle. Donc, je pense qu'on va, en tout cas, je l'espère, mais ce qu'on a prévu je devrais répondre à une bonne, en partie à vos besoins. Encore quelques minutes peut-être pour écrire vos attentes. Étienne, j'aime bien aussi à la page 11, quelqu'un a écrit me démontrer le potentiel pédagogique des ressources disponibles. Donc, on va voir qu'est-ce qui est disponible, puis on va voir comment vous pouvez participer à la disponibilité de ces ressources-là aussi. On avait connaître les bases de Moodle, mais pour l'instant, ça ne sera pas tant les bases de Moodle que comment vous allez pouvoir utiliser Moodle pour vous aider dans votre accompagnement et dans vos formations avec vos enseignants. Parce qu'en 1 heure et demie, on n'a pas la prétention de pouvoir former sur Moodle des gens. Moodle, il n'y a rien de compliqué dans Moodle, mais c'est la quantité de choses que ça peut faire qui devient étourdissant parfois. Donc, vous reviendrez nous voir, on pourra vous montrer comment ça marche par la suite, mais aujourd'hui, on va vous expliquer là ce que ça peut faire plus que comment le faire. Là, comment ça marche, on vous a mis aussi beaucoup de liens dans la présentation là, pour vous aider à aller voir déjà des formations qui existent. On va vous présenter ça lors de l'atelier. Donc, on voit que les gens écrivent encore, alors ne vous gênez pas. Ça continue à entrer aussi dans la salle. Donc, j'ajoute l'adresse du document de l'atelier pour les personnes qui viennent de nous joindre. Nous sommes aux diapositives 10, 11 et 12. Alors, c'est à vous de venir inscrire vos besoins pour l'atelier d'aujourd'hui. Tiens, je crois que ton micro est fermé, si j'ai. Tu as raison, je parle dans le vide depuis une C'est minute. ça. Donc, je lisais ce qui est écrit finalement. Donc, maximiser les activités de développement professionnel, comment démystifier Moodle, comment convaincre les enseignants de faire des formations asynchrones. Et ici, on a me démontré le potentiel pédagogique des ressources disponibles. Je vous invite à continuer à écrire, on reviendra tout à l'heure, mais on va continuer notre petite formation en vous présentant notre plan de match de la journée. De la journée, de l'heure qu'on va passer ensemble. Donc, notre but, c'est de voir à quel besoin Moodle peut répondre du point de vue d'un conseiller pédagogique. Donc, parfois, on a des formations à mettre en place, puis on va opter par une auto-formation. On a pris 2 points de vue du conseiller pédagogique. On a des conseillers pédagogiques qui doivent former les enseignants avec Moodle, et on a des conseillers pédagogiques qui doivent former les enseignants à Moodle. Donc, à utiliser Moodle avec leurs élèves et d'autres qui veulent utiliser Moodle comme conseiller pédagogique avec les enseignants. On a choisi l'angle d'entrée pour ça, de vous présenter des témoignages. Moi, je suis vendu à Moodle, mais je l'utilise dans un contexte peut-être qui n'est pas le même que vous. On a 2 conseillers pédagogiques qui l'utilisent dans leur centre de service scolaire et qui vont venir vous expliquer qu'est-ce qu'ils font avec ça et pourquoi ça marche, puis pourquoi ils embarquent, pourquoi ils ne reviendraient pas en arrière. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va mettre notre effort pour vous montrer qu'est-ce que font avec des vraies applications. Et par la suite, on va vous amener à regarder ces témoignages-là en tout ou en partie. On va les analyser. On va faire un retour là-dessus pour que vous puissiez vous projeter dans votre commission scolaire après avoir vu ça sur vous dans votre centre de service scolaire. Excusez-moi, j'utilise encore commission scolaire. Dans votre centre de service scolaire, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Et par la suite, bien, c'est ce que certains cherchent à voir. Comment est-ce que je fais maintenant pour apprendre Moodle? On ne vous montrera pas comment fonctionne Moodle aujourd'hui, mais on va vous envoyer vers des ressources qui vont vous permettre d'apprendre comment ça fonctionne. Et on reviendra sur vos attentes à la fin de l'exposé. Ça va pour tout le monde? Donc, on poursuit. On va commencer avec une première mise en situation qui va peut-être représenter ce que vous pourriez avoir à vivre dans votre centre de service scolaire.
Donc, à titre de conseiller ou conseillère pédagogique, on vous confie le mandat d'organiser une formation sur la classe flexible pour le personnel enseignant de votre organisation. La classe flexible, ici, étant un thème qu'on a choisi arbitrairement, ça pourrait être n'importe quoi d'autre dans votre centre de service scolaire. Ce qu'on vous dit ensuite, cette formation devrait être accessible pour le corps enseignant en tout temps. Certaines parties de cette formation devront pouvoir être suivies de façon autonome. Le personnel enseignant pourra être accompagné par un conseiller pédagogique. La formation doit être conçue pour rejoindre un grand nombre d'enseignants ou d'enseignantes. Elle doit perdurer dans le temps. On vous demande de rendre des comptes à propos de la formation et les directions d'école demandent de pouvoir avoir un portrait de la progression du personnel enseignant dans la formation. J'aimerais peut-être, en levant la main, que vous me disiez, est-ce que c'est une situation qui pourrait se produire dans votre centre de service scolaire quand on vous demande ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est plausible pour un conseiller pédagogique? Peut-être pas de tout ou en partie, mais en levant la main pour nous dire oui. Donc, ou non, si vous ne levez pas la main. Est-ce qu'on pourrait vous demander quelque chose comme ça dans votre centre de service scolaire? Donc, je vois qu'il y a déjà plusieurs personnes qui lèvent la main, qui peuvent faire des liens avec ce qu'on pourrait leur demander dans leur centre de service scolaire. Peut-être que tous les points qui ont été marqués, qui ont été écrits, ne sont pas dans ce qu'on pourrait vous demander, mais ce genre de situation-là, c'est des choses qui font partie du travail du conseiller pédagogique. Passons à la diapositive suivante. Donc, moi, j'étais à l'origine au centre de services scolaires de la Beauce-et-Chemin. Donc, je suis retourné voir mes anciens collègues pour leur demander comment est-ce qu'ils utilisaient Moodle pour former le personnel enseignant. Et ils m'ont sorti différentes thématiques qui leur servent à la formation. Donc, si on regarde les thèmes qui sont là, j'ai fait une saisie d'écran du Moodle. Donc, enseigner les structures multiplicatives aux primaires. Flexibilité, adaptation, modification, donc tout sur les mesures là, qu'on peut mettre au plan d'intervention, trace par l'observation, le perfectionnement, enseigner en classe multi-âge, les fonctions exécutives au cœur de l'apprentissage, la gestion de classe en enseignement à distance. Donc, une formation avancée sur Moodle, évaluer efficacement le vocabulaire, le référentiel d'intervention en mathématiques, l'apprentissage du 21e siècle, Office. Donc, on a une panoplie de formations qui sont offertes au Centre de services scolaires de la Beauce-et-Chemin. J'en ai juste mis deux pages auxquelles les gens adhèrent et qui sont utilisées là, par des vrais enseignants et par des conseillers pédagogiques pour faire de la formation. Si ça fait votre affaire, je vous montrerai de quoi peut avoir l'air une formation au Centre de services scolaires de la Beauce-et-Chemin. Donc, je vais commencer, je vais y aller par des saisies d'écran. Donc, on rentre dans le Moodle de la formation où on a les différents thèmes qui sont disponibles pour être formés. Par la suite, quand on clique sur une des pastilles, sur une tuile, on a la présentation de ce qui doit être fait. C'est relativement simple. Et quand on continue, et là, on a une série de vidéos que l'enseignant peut écouter. Ici, c'est la formation sur Mosaic. Et par la suite, il y a un test qui peut être fait par l'enseignant pour se situer par rapport à ce qu'il a vu là, comme contenu de formation. Donc, c'est ce qui est offert au Centre de services scolaires de la Beauce-et-Chemin. Beaucoup de formations qui sont faites de façon autonome par les enseignants et que les conseillers pédagogiques vont se servir aussi lors de leur animation, lors de leur accompagnement. Pour vous en parler, je vais demander à Chantal Poulin, qui est une conseillère pédagogique au Centre de service scolaire de la Beauce-et-Chemin, de nous expliquer pourquoi est-ce qu'elle a embarqué dans ce type de façon de faire-là et c'est quoi les enjeux? C'est quoi le gain qu'elle retire par rapport à ça? Je pense avoir rejoint vraiment ce qui était marqué là, comme intention de ce que vous voulez retenir de cette formation-là. J'ai l'entrevue qui est ici, elle est divisée en 10 questions. Donc, on a mis les liens vers les différentes questions. Donc, vous pourrez soit écouter l'entrevue dans un continuum ou aller vraiment à l'essentiel de ce que vous voulez savoir. Et tout à l'heure,
On va vous demander d'échanger ensemble sur quatre sujets. Donc, qui sont vos collaborateurs lors de l'élaboration d'une auto-formation? Comment envisagez-vous la cohabitation entre Moodle et Teams ou Classroom dans votre organisation? Quels sont les sujets à traiter qui nécessitent une formation? Quels sont les besoins de suivi de la progression de la formation du personnel enseignant par votre organisation? Donc, pour nous, c'est des questions clés à se poser quand on veut commencer à utiliser Moodle avec le personnel enseignant. Et quand vous écouterez le témoignage, vous allez voir, moi, je vais arrêter de parler, Chantal est beaucoup plus intéressante que moi. Vous parlez vraiment de concret de ce qui se passe. Par la suite de ça, on a une deuxième auto-situation que je vais laisser Yvon décrire. OK, donc, comme conseiller ou conseillère pédagogique, on vous confie le mandat d'accompagner des enseignants qui souhaitent faire le virage numérique suite aux changements vécus dans le contexte de la pandémie. Ils ont choisi de structurer leurs ressources à l'intérieur de l'UNA Moodle. Vous devez convenir avec eux des modalités afin d'assurer la cohésion entre les enseignants provenant de différents établissements de votre organisation. Donc, on est vraiment ici dans l'action, dans le quotidien, où les enseignants ont à s'approprier la plateforme, évidemment, puis à réfléchir sur leurs ressources. Les ressources sont disponibles pour le centre, ici, pour la mise en situation 2. On retrouve des enseignants qui ont utilisé des modules de cours conçus pour la formation à distance. Donc, Étienne, je t'invite à suivre le lien, là, puisque c'est toi qui as la présentation. Donc, parmi les enseignants, on a certains qui, dans le module récit, ont pris le cours et qui l'adaptent présentement. Donc, c'est une situation authentique. Il y a aussi des enseignants qui partent à partir de la page blanche puis qui transforment leurs ressources existantes. Donc, ce sont deux cas de figure là, où on voit les enseignants en action qui font appel à leur conseiller pédagogique. Peut-être ici, si vous voulez avoir un regard sur l'auteur, toutes ses préoccupations, dans le cours d'histoire, vous pouvez à la fois visiter le module, donc ce qui a été créé par les gens des récits nationaux à l'attention des enseignants, mais vous pouvez aussi écouter le webinaire qui est fort intéressant puisque ce sont les auteurs du cours créé en ligne qui expliquent dans le fond leur vision du cours, l'utilisation aussi là, qu'ils envisagent par rapport aux ressources là, qui sont distribuées. Donc, sachez aussi par la même occasion que ce qu'on vous présente à l'écran, les responsables FAD, évidemment, des organisations scolaires peuvent télécharger puis rendre disponibles pour les enseignants les ressources. Je ferai aussi du pouce par rapport aux ressources, puisqu'on y est déjà. On a, Étienne, hein, une section où on voit là, dans le mouvement « Moi, je partage », des enseignants qui partagent au réseau leur réalisation. Donc, ce ne sont pas toujours les enseignants en silo là, qui développent, mais qui collaborent entre eux. Donc, dans ce modèle-ci, on retrouve plein de ressources créées par des enseignants pour des enseignants. Donc, on contextualise là, la situation du conseiller pédagogique qui a accompagné ces gens-là dans l'action. Alors, pour revenir à notre présentation, j'ai rencontré Jean-François Garneau, qui est donc conseiller pédagogique à la commission au Centre du service des premières seigneuries, qui a aussi le rôle d'être responsable FAD donc, pour l'organisation. Donc, il a la perspective là, des deux rôles. Et donc, toujours la même formule, vous pouvez accéder directement à la question posée ou écouter là, la vidéo intégrale. Donc, on regarde les questions qu'on vous pose au regard là, de cette mise en situation. Donc, comment envisagez-vous le modèle de formation et d'accompagnement des enseignants dans ce contexte? Quels sont les besoins des enseignants que vous anticipez? Est-ce qu'ils feront appel à vous pour vos compétences techniques ou si ce sera plus pédagogique? Donc, quels sont les bénéfices pour vos enseignants et votre organisation, le fait d'implanter tout ça dans Moodle? Et puis, comment développer mon expertise afin d'accompagner les enseignants? Donc, quatre questions ouvertes qu'on vous pose en petit groupe. Donc, Étienne, je te redonne la parole. Le mieux. Donc, pour faire cette activité-là, on va se diviser en trois salles et vous ne répondrez pas tout le monde à toutes les questions. Donc, certains d'entre vous vont aller dans la salle 1 où vous allez répondre à la question 1 et la question 2 sur les deux témoignages.
D'autres vont aller dans la salle 2 où on va répondre à la question 1 et la question 3. Et d'autres vont aller dans la salle 4 où on, 3, excusez-moi, on va répondre à la question 1 et à la question 4. Les témoignages sont un peu longs, mais on les trouvait intéressants. Donc, on a eu de la misère à couper. On s'est dit que c'est pour ça qu'on a mis les temps dans les descriptions des témoignages pour que vous puissiez aller rapidement à l'essentiel si vous n'avez pas le temps d'écouter tout le témoignage aujourd'hui. Mais on va vous laisser le lien, ce témoignage-là, disponible pour que vous puissiez y avoir accès parce que moi, quand j'écoute Chantal me parler de Moodle, si je n'étais pas vendu à Moodle déjà, je pense que je le deviendrais parce que ce qu'elle présente, c'est vraiment très intéressant, tout comme Jean-François. On va se donner pour faire cette tâche-là une trentaine de minutes où vous allez vous diviser en salles. On va vous laisser choisir la salle que vous voulez. Donc, c'est des salles whereby là, qu'on va utiliser. Donc, si jamais vous vous rendez compte que vous êtes la 25e personne dans la salle 1, allez dans la salle 2 ou dans la salle 3, de façon à ce que tout le monde ne soit pas dans la même salle. Et on va vous laisser répondre aux questions, peut-être pendant une trentaine de minutes, le temps d'écouter les témoignages qui durent qui sont quand même assez longs, et de prendre du temps pour discuter là-dessus. Étienne, oui. Je me permets d'intervenir. En ce moment, comme nous ne sommes pas là, nous n'avons pas créé la Teams, on n'avait pas la possibilité de créer les sous-salles dans Teams. Donc, on a créé des salles dans Whereby, puis ça risque de vous engendrer le problème technique où la caméra est déjà utilisée dans Teams. Alors, je vous suggère de fermer les caméras si vous vous dirigez dans la sous-salle Whereby, afin là, de pouvoir activer vos caméras. Étienne, je ne voudrais pas rallonger le temps un peu, mais il nous reste quand même plus d'une heure à l'atelier. Donc, le 30 minutes pourrait être allongé, surtout si les gens veulent avoir la chance de regarder l'ensemble des vidéos, parce qu'il y en a une qui dure environ 17 minutes et l'autre 9 minutes. Et elles sont tellement intéressantes que ça nous donne le goût de les écouter au complet. Ça risque peut-être d'être difficile pour vous de choisir les éléments, mais on pourrait rallonger là, à facilement 40-45 minutes. Là. Puis on va se promener, nous, parmi les ateliers, donc on va pouvoir aller vous accompagner là-dedans aussi, puis répondre à vos questions, puis en même temps voir comment le temps, là, on va pouvoir l'ajuster, mais il nous reste quand même plus d'une heure. Là. Là, c'est bien, j'ai réussi à couper pour qu'on gagne du temps pour écouter ça. C'est bon. Donc, je vous invite à aller dans les salles. On va aller vous rejoindre et on pourra discuter ensemble des vidéos qui sont là puis répondre aux questions et discuter là-dessus. Par la suite, on reviendra en grand groupe pour voir qu'est-ce qu'on retient et on poursuivra la présentation à ce moment-là. Donc, je vous laisse y aller et on se revoit là. Rebonjour tout le monde. Bonjour Étienne. Bonjour. Donc, moi, j'étais avec certaines personnes, mais je serais curieux d'entendre les commentaires généraux des gens sur les témoignages. Le témoignage 1, c'était super le fun. Le 2, je vais le réécouter, je vais le terminer de l'écouter tout à l'heure. Là, j'ai manqué un peu de temps. OK. Sinon, très, très bon sur la façon dont ça a été fait, l'implication des directions et tout. Là. Parce qu'en attendant que les autres nous rejoignent, comme je disais aux gens qui étaient avec moi, quand on a monté la formation, on se disait, on va-tu baser notre formation sur des témoignages? On va faire écouter des témoignages aux gens en ligne pendant la formation. Puis en regardant la qualité de ce que les gens nous disaient, on s'est dit oui. Il semble qu'ils passaient exactement le message qu'on voulait qu'il soit passé. Puis c'était authentique, des personnes qui nous disaient vraiment ce qu'ils vivaient. Puis qui arrivaient avec des solutions de eux, comment ils ont fait. Donc, le format n'était peut-être pas dynamique, mais le message était là et très, très présent et très, très actuel à mon sens. Mm-hmm. Est-ce qu'ils vont... Toujours bon de voir ce qui se fait, puis comment ça s'est fait, puis les embûches et tout. Je suis allée voir Yvon dans sa salle, puis il semblait dire que... Ouh, il manquait de temps. Je pense qu'il n'a pas regardé l'heure. Il n'avait pas tout à fait fini avec son équipe, là, mais... OK. S'en venir le plus rapidement possible. Je pense qu'ils sont encore dans leur salle, mais ça ne devrait pas tarder. Parce que là, il nous reste à peu près pas tout à fait 20 minutes, puis il nous reste encore un bon retour à faire et des exemples à vous donner, puis des endroits où on peut aller chercher de l'information et de la formation. Donc, je pense qu'ils sont en train d'écrire dedans. Là. Je les vois écrire, donc. Je pense que leur salle ne s'est pas fermée.
Ou 40 minutes. Ouais. Dans le témoignage de Chantal, c'est quoi le message le plus important que vous retenez, ceux qui étaient là, qui ont le goût de prendre la parole et nous en parler? Oui, Charlène. Oui, bien, sur les témoignages, ben c'est ça, nous, on a comme pas. On est arrivé au consensus que le témoignage 2, on n'avait pas eu le temps, c'est ça, de le terminer à l'intérieur de notre équipe, mais le témoignage 1, c'était le fun parce que ça faisait tout le tour de. Tout le tour de ce qu'il y a à être dit. Là. La seule chose qui est comme pas claire à un moment donné, c'est que, tu sais, dans le questionnement où on dit, c'est pourquoi est-ce que vous l'avez pas fait asynchrone sur Teams, puis eux, c'est un choix qu'ils ont fait, c'est de pas aller dans cette direction-là. Fait que là, il nous manque comme un petit quelque chose ici, tu sais, pourquoi pas Teams, pourquoi pas Google Classroom, mais elle y revient plus tard parce que quand elle dit qu'on a, tu sais, qu'on peut avoir le processus de suivi, qu'on peut après ça donner aux directions, bien, c'est comme ça qu'on peut, dans le fond, aller dans une recherche de solutions face aux problèmes qui étaient vécus par plusieurs des personnes là, dans mon sous-groupe, dans le fond, que c'est pas possible de libérer des enseignants en ce moment dans beaucoup de contextes différents. Moi, c'est pas personnellement, c'est pas mon cas, mais il y a aussi le fait de vouloir justement créer des formations. Tu sais, on est des fois, on peut se sentir peut-être un peu comme des robots, tu sais, puis qu'à chaque début d'année, on répète les mêmes formations, mais avec des visages différents. Donc là, en allant de cette façon-là, bien, on peut y aller de façon asynchrone. C'est fait une fois, fait qu'on peut investir notre temps dans autre chose, puis ça peut rassurer les directions parce que les enseignants peuvent rendre des comptes, là. Tout à fait. Ils vont être arrivés, Étienne, donc on pourrait commencer avec l'équipe numéro 1 pour faire le retour. Je te laisse la parole. Oui, je pense que c'est moi qui vais te porte-parole parce qu'on ne s'en est pas nommé. Donc, moi, je suis resté beaucoup avec l'équipe numéro 1. Donc, on a écouté le premier témoignage, le deuxième, pas complètement, mais en partie. Et on avait la question à se demander qui seraient les collaborateurs pour élaborer une auto-formation. Donc, ce que les gens disaient, c'est que l'équipe, le CPTIC et les services informatiques doivent être des collaborateurs à la base là, pour mettre en place un modèle et mettre des formations. Le spécialiste récit et le spécialiste Moodle de l'organisation, s'il y en a un. Je pense que s'il n'y en a pas, ça vaudrait la peine de s'en former un. Et un CP récit, possiblement. On parlait de travailler en équipe de CP, d'utiliser l'expérience des CP qui utilisent déjà Moodle. On parlait aussi qu'il pourrait être intéressant de former de la collaboration entre les centres de services scolaires. Donc, soit de monter des formations ensemble ou de séparer le travail. Vous allez monter une formation là-dessus, nous, on va monter une formation là-dessus, puis on se les échange quand ils sont montés. Donc, c'est ce qui a été dit pour le témoignage 1. Le témoignage 2, on se demandait comment envisager la cohabitation entre Moodle et Teams dans l'organisation. Et ce que Charlène nous a dit tout à l'heure, c'est ce qui est ressorti. Donc, les capacités de suivi de Moodle valait vraiment la peine pour monter des formations. Et autre chose qui est ressortie, c'est que les utilisateurs de Moodle disaient que c'était plus facile de structurer un contenu d'apprentissage dans Moodle que dans Teams où on va déposer des documents. Moodle, on a vraiment comme un site web où on peut avoir une continuité, un processus, une progression pour l'élève, alors que dans Teams ou Classroom, Classroom ne permet pas de réutiliser la formation l'année d'avant parce que c'est comme un fil de nouvelles qui défile. Et Classroom et Teams, c'est plus comme un dépôt de fichiers. Donc, il y avait Moodle qui offrait la possibilité d'organiser les choses pour que ça soit visuellement attrayant et facile à suivre pour l'élève. Puis le bémol de ça, c'est que Moodle est assez complexe à utiliser. Étienne, pourrais-tu nous partager ton écran? Qu'on puisse voir le message, puis on va passer à l'équipe numéro 2. On s'est donné 1 à 2 minutes par équipe pour faire le retour. Donc, l'équipe numéro 2, est-ce que vous vous êtes nommé un porte-parole ou c'est Yvon qui prend la parole? Oui, bonjour, je vais être le porte-parole pour l'équipe numéro 2. Les collaborateurs pour les auto-formations, je fais la relecture des notes, là. On parle, bien évidemment, du CP technopédagogue. Dans mon cas, moi, j'ai ajouté CP FP et CP FGA. Donc, c'est vraiment une collaboration entre les,
entre les CEP. Moi, je suis CEP éthique et je travaille avec deux autres conseillers pédagogiques, donc un en FGA, un en FP. Évidemment, ben, pour connaître leurs besoins de formation, je pense que c'est eux qui sont sont très bien placés, étant donné qu'ils œuvrent tout près des enseignants. On a noté également que c'était essentiel d'avoir une bonne collaboration du service des TI pour le maintien des plugins, entre autres. Et d'autres besoins techniques, là, évidemment. On peut penser à plusieurs, comme la taille des fichiers qu'on veut héberger sur Moodle. Donc, c'est sûr que ça nous prend une collaboration d'éthique pour régler des problèmes de ce type-là. C'est quoi les types de formations qu'on peut y mettre? Ben, de mon côté, on parle d'Office 365. J'ai également une formation sur l'utilisation de Moodle, donc une présentation. C'est quoi Moodle? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est le type de formation que moi j'ai fait de mon côté. Et au niveau du témoignage 2, de quelle façon on envisage là, les formations, les accompagnements? Ben, c'est des rencontres qui sont ponctuelles là, en FGA parce qu'ils ont déjà une bonne base là, de connaissances sur Moodle. On parle aussi au niveau de Karine là, qui mentionnait qu'il y a déjà un réseau de contact qui permet des fois d'aller chercher des cours d'un endroit à l'autre, un peu comme moi je partage, là, Yvon nous mentionnait cette ressource-là que moi je pense que j'avais oublié finalement, fait que c'était un bon rappel, merci. Il y a évidemment les bénéfices pour l'organisation, c'est un gain de temps incroyable. Une flexibilité d'utilisation également pour tous ceux qui bénéficient de ces formations-là, peuvent faire les formations quand ils veulent. Et les personnes qui ont monté ces formations-là sont utilisées une fois pour monter la formation, mais ensuite, il reste juste à en profiter. Alors, voilà. Merci beaucoup. Équipe numéro 3, c'était Charlène qui s'était proposée pour faire le retour. Oui, là, je vais juste aller réafficher. Là, j'ai comme trop de fenêtres ouvertes, là, comme d'habitude. OK, ouais, j'y suis. Dans le fond, c'est ça. On avait discuté, là. Il y a des choses qui sont écrites puis qui ne sont pas nécessairement les choses desquelles on a le plus discuté nécessairement. Mais au niveau de ce qu'on écrit, bien, c'est sûr qu'on s'entend pour dire que les gens avec qui on va travailler, bien, c'est nos collègues CP, que ce soit des CP disciplinaires ou nos éternels alliés en intégration du numérique. Les besoins, au niveau des besoins de suivi de la progression, bien, je pense que, tu sais, comme je disais tantôt avant que tout le monde arrive, je pense que c'est là qu'on a vraiment la plus-value là, d'utiliser Moodle. Mais à l'heure actuelle, dans mon centre de service scolaire, il est disponible pour la formation générale des adultes, mais il n'est pas officiellement disponible au secteur jeune. Puis les gens, tu sais, si par exemple, j'en ai une, c'est une auto-formation qui est disponible, mais c'est très difficile pour moi de la publiciser. Parce que les gens doivent aller se créer un compte par eux-mêmes, ensuite me dire que leur compte a été créé pour que je puisse les inscrire à mon cours, puis c'est comme trop de barrières, alors que je pense que c'est une solution qui répondrait dans le fond à plusieurs besoins, puis c'est principalement de ça qu'on a discuté, qu'on le voit que c'est un besoin qui émerge, on a de la difficulté dans plusieurs milieux à libérer des profs en ayant des auto-formations, ils peuvent les découper en petites bouchées, ils peuvent les faire sur leur temps, puis on voit dans le fond ce que les directions peuvent voir, nous demander de rendre compte, puis il y a différentes façons de procéder. C'est sûr que ça dépend aussi du type de suivi qui est fait par les différentes directions d'établissement. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus lousses, puis il y en a qui sont plus rigides. Au niveau, même si on n'a pas terminé d'écouter le deuxième témoignage, on a quand même pris le temps de prendre des notes sur la question principale et la question facultative. Ce qu'on signale, c'est effectivement, on n'est pas originaux comparé à ce qui a été dit dans les deux autres équipes, là, mais que dans le fond, il faut aussi qu'on se développe, nous, pour être capable de,
d'aller de l'avant de ce côté-là. Puis, dans le fond, de cibler des formations qui sont récurrentes pour qu'elles demeurent disponibles et qu'on n'ait pas toujours à retravailler sur les mêmes. Il a été question aussi plus d'une fois d'y aller hybride, là, c'est-à-dire d'avoir du contenu qui demeure disponible dans un module, puis après ça, de référer à ce contenu-là dans une formation qui serait synchrone et plus personnalisée avec l'être humain. Et son dynamisme et sa bonne humeur et ses fonds d'écran qui peuvent changer. L'autre chose aussi, c'est que bon, on a, dans ce qu'on a écrit, bien, c'est ça, de se former nous-mêmes pour utiliser Moodle. Puis, il y a des outils de Moodle qui sont quand même vraiment particulièrement poussés, là, qui sont, puis chez nous, à ma connaissance, il n'y a personne. Bien, peut-être du côté de la FGA, moi, je suis du côté des jeunes, là, mais de notre côté, à nous, il n'y a personne qui est pro, qui est un professionnel de Moodle. Là. Moi, j'ai la chance aussi d'être à l'Université Sherbrooke en charge de cours. Fait que de ce côté-là, il y a comme plus de formation. Fait que je me forme des deux côtés. Mais il y a aussi toute une réflexion à avoir en ingénierie pédagogique, puis ça rejoint ce qui était quand même dans le premier témoignage que, tu sais, elle dit, ah oui, tout le monde est capable de faire une formation asynchrone, mais je ne suis pas certaine que c'est si vrai que ça, parce que l'approche en asynchrone, la réflexion qui est derrière, il faut quand même avoir un modèle de formation asynchrone, savoir comment faire pour concevoir de la formation asynchrone qui va être quand même intéressante et qui va aller répondre aux intentions qu'on s'était fixées au départ. Je finis. Voilà, c'est un bon résumé. On a eu de beaux résumés. C'est le fun. Puis je vais demander à Étienne de faire un retour, mais sur ce qu'il faut retenir de cet atelier et du suivi que vous avez fait là, dans chacun de vos équipes. On va le dire. Donc, si je ne reviendrai pas sur ce que tout le monde a dit. Au départ, comme je le disais tout à l'heure, on avait des témoignages, on s'est dit, est-ce qu'on base notre formation sur deux témoignages qu'on fait écouter aux gens pendant tout ce temps-là? Avec la richesse des témoignages, on s'est dit oui, puis on s'est dit que Moodle allait ressortir comme un outil gagnant à mettre en place dans les centres de services scolaires. Mais qu'autour de Moodle, ce n'est pas juste l'outil qui est important, c'est la réflexion pédagogique des concepteurs qui est importante. Parce que Chantal en a parlé un petit peu, quand elle va bâtir un cours, les gens vont lui arriver avec des morceaux, et vont arriver avec, qui vont pouvoir fournir à quelqu'un qui va monter ça dans Moodle. Réflexion qu'on a eue, nous autres, est-ce que ça peut être un technicien qui va monter les choses dans Moodle? Et la réponse, comme la dernière intervenante dont j'ai oublié le nom a parlé, c'est que ça prend une réflexion pédagogique pour structurer les contenus, que ce soit pour les enseignants ou pour les élèves. Et ça demande un pédagogue. Un technopédagogue qui va faire cette réflexion-là avec ceux qui connaissent même Moodle pour avoir une formation qui va rendre ce qu'elle est supposée rendre. Une fois que la formation est montée, ce qui est important, c'est de l'analyser. Donc, utiliser l'utilisation des ressources, le degré de maîtrise des activités, puis la présence des activités de remédiation. Autrement dit, quel élève a fait quoi? Puis si un élève a réussi à réussir des tests sans écouter les vidéos qui étaient présentées, ou si un prof a réussi à passer à travers la formation sans suivre les activités. Peut-être que les activités qu'on a mises en place ne sont pas tout à fait pertinentes, que l'évaluation est trop facile. Donc, il y a une analyse à faire par rapport à ça. On peut aller à la diapositive suivante, où tout à l'heure, on a fait ressortir les outils qui étaient importants, les outils de suivi. Et c'est ce qui a convaincu les directions d'école d'aller dans cette direction-là, c'est tous les outils de suivi qui sont présents dans Moodle. Au récit de la formation à distance, on a développé l'apprentimètre qui permet de regrouper plusieurs outils de suivi, de savoir qui a fait quoi, qui sont les gens qui sont en retard, quelle est la progression des gens. Mais il y a d'autres rapports qui existent dans Moodle, des rapports de notes, des rapports d'assiduité pour savoir comment les gens se connectent souvent, des rapports de progression pour savoir comment ils avancent dans leur formation. C'est tous des outils qui sont disponibles dans Moodle. Et si vous voulez avoir plus d'informations, on pourra vous en donner là, au Service national de formation à distance. Maintenant, autre chose importante qu'on a parlé, c'est qu'on n'a pas tous besoin d'être des spécialistes Moodle, mais ça en prend quelques-uns dans la commission scolaire, dans l'organisme. Donc, nous, au service de formation à distance, on offre à tous les jours, on a Yvon ou quelqu'un d'autre qui est disponible pour offrir un service en temps réel aux gens qui ont besoin d'avoir de support pour Moodle. Si vous allez voir sur Campus Récit, les liens sont là, vous pourrez cliquer dessus.
vous allez avoir des exemples de formations qui peuvent être montées. Et il y a une formation qui a été montée l'an passé, qui vient de sortir, qui s'appelle Enseigner avec Moodle, qui va donner des façons de faire aux gens qui utilisent les ressources Moodle. Et on ne va pas dans le développement dans cette formation-là. La formation devrait sortir cette année sur le développement. Au récit de la formation à distance, on a développé des capsules formatives qui vont montrer aux gens comment utiliser les outils Moodle pour concevoir dans Moodle. Et vous avez aussi la documentation Moodle qui va vous aider à faire un tour. Et dernière façon de faire qui n'est pas nommée, mais c'est de se réseauter. Allez voir, profiter des occasions comme aujourd'hui pour aller vous trouver des amis qui vont vous aider à avancer dans Moodle ou dans un sujet qui va vous plaire. Donc, pour vous nous contacter, on a l'intervention juste à temps qu'on avait. Oh, vas-y, Marie-Claire. Oh, tu peux continuer, Étienne, ça va très bien. Donc, je vois le temps qui passe, là. Donc, oui, pour nous contacter, vous avez l'intervention juste à temps qu'on a parlé tout à l'heure, puis je vais peut-être y aller pour vous montrer l'horaire. Donc, les lundis, les mardis, donc vous avez l'horaire qui est ici. Et c'est sur la plateforme Webex qu'on a utilisé tout à l'heure, qui ne demande pas de se connecter. Vous arrivez directement, il y a quelqu'un qui vous attend là pour vous supporter là-dedans. Et évidemment, si vous envoyez un courrier à l'info@recifad, on va vous répondre, prendre rendez-vous avec vous si c'est nécessaire. Sur ce, est-ce qu'on a répondu à vos attentes? Les gens voulaient savoir comment, ce que j'ai retenu, c'est qu'on voulait avoir des idées de comment mettre des choses en place, des auto-formations dans ma commission scolaire. Je vous laisserai le mot de la fin. Ceux qui veulent nous parler de la formation, nous dire comment vous avez reçu ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Est-ce qu'on a répondu à vos attentes par rapport à ça? On a des petits pouces en l'air qui apparaissent dans l'écran. Ça peut être des petits pouces, vous pouvez écrire vos commentaires aussi dans le clavardage si vous voulez. Des petits cœurs aussi. Wow! Bon. Donc, si on a répondu à vos attentes, je suis très content qu'on ait pu combler, répondre à vos besoins. Et ça nous fera plaisir de vous revoir dans d'autres événements ou si vous voulez venir nous voir aux interventions juste à temps du récit de la formation à distance, on sera là pour répondre à vos besoins. Puis, on a un bel atelier cet après-midi aussi à ne pas manquer sur la comodalité. Donc, il faut vraiment être là pour voir cet atelier-là qu'on a. On a vraiment planifié quelque chose pour que vous soyez, que vous ayez le plus possible d'informations. Donc, venez nous voir cet après-midi dans notre atelier. Est-ce que tu te souviens, Étienne, du nom de l'atelier? Je ne l'ai pas, je pense. Animé à distance ou en comodal. C'est ça, animé en distance ou en comodal. Alors, vous êtes les bienvenus.